Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Avec une séance qui valide un petit peu les inquiétudes que nous avions hier, notamment liées ici à une rupture baissière des 5248 points. Nous avons effectivement une configuration ici qui est en train de repasser ici dans une dynamique baissière. Nous avions ici un gap qui s'était ouvert donc sur la séance du premier qui avait matérialisé le franchissement haussier des 5248 points. On a un gap qui s'ouvre à la baisse, qui matérialise là le franchissement de cette même zone majeure. Certes, le gap est refermé, mais il agit comme résistance. Nous pouvons le voir d'ailleurs, suite ici au comblement, on est revenu ici clôturé sous les 5248 points, puisqu'à 5231.22, le CAC 40 perd 0,7% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'un vrai pattern de retournement. Nous pouvons quasiment considérer que nous avons ici un îlot de retournement sur le CAC 40. Attention donc, si les cours la semaine prochaine valident une poursuite de ce mouvement baissier, on pourrait commencer à se réorienter assez rapidement. Du point de vue des indicateurs techniques, nous confirmons cette configuration plutôt baissière avec ici un MACD qui évolue désormais dans la partie inférieure de sa zone d'évolution et donc sous sa zone d'équilibre, ce qui n'était plus arrivé depuis le début de l'année sur cet indicateur. Du point de vue du RSI, nous étions ici dans une zone de surachat depuis quelques jours. Nous sortons désormais de cette zone de surachat, ce qui nous donne un signal assez fort si on le conjugue ici avec l'indicateur MACD d'une possible phase de consolidation. Donc nous sommes sur ce constat. Il va falloir s'en remettre donc aux éléments techniques, à savoir la moyenne mobile 20 ici exponentielle. Nous avons ici une zone intermédiaire qui se situe quasiment à 5200 points, mais le prochain objectif se situe désormais vers un possible retour sur la zone des 5175 points. Alors, nous sommes vendredi, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire pour constater que nous sommes toujours dans une loi de dos haussière, puisque sur la semaine, nous avons un point haut et un point bas qui sont supérieurs à la bougie précédente. Donc d'un point de vue moyen terme, on reste ici dans une dynamique haussière. Qui plus est, nous avons un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, ce qui n'était plus arrivé depuis pas mal de temps, puisque le dernier contact remonte ici à cette bougie que nous avions en janvier de l'année 2018. Donc le signal est quand même intéressant, mais il intervient dans un contexte où d'un point de vue court terme, on est plutôt dans une phase de retournement à la baisse. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste haussier sur la dynamique moyen terme avec un RSI qui a toujours ici une dynamique plutôt haussière et un MACD dont les histogrammes ici évoluent toujours dans une évolution positive. Donc nous avons clairement un signal de continuité sur cette unité de temps, mais encore faut-il que cela perdure puisque nous avons vu que d'un point de vue court terme, c'est beaucoup plus délicat. Alors par rapport à cette configuration, ce que nous pouvons constater, c'est que nous sommes donc sur une configuration qui est venue valider donc le contact sur la zone de résistance qui était identifiée ici à 5312 avant ici une rechute. Comme nous pouvons le voir ici sur ce graphe, du point de vue des bougies, nous avons une zone ici de support qui était précédemment résistance ici sur cette phase qui se situe à 5222 points. On pourrait latéraliser ici ce support ici sur les précédentes phases de cotation. Celle-ci correspond à une zone intermédiaire actuelle. C'est vraiment cette zone qu'il va falloir surveiller d'un point de vue moyen terme la semaine prochaine. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il s'agit du point bas de la bougie hebdomadaire de cette semaine avec ici une bougie qui cote sur son point bas à 5221 points. C'est vraiment ce niveau qui matérialiserait le possible retournement donc de la tendance court terme qui pourrait se propager à la dynamique ici moyen terme. Et si tel était le cas, on pourrait craindre d'un point de vue moyen terme un retour possible ici sur la zone des 5052 points. Donc il faudra être vigilant par rapport à ça. Nous allons voir sur les retracements de Fibonacci que nous avons d'autres niveaux sur l'orientation court terme. Mais donc du point de vue ici moyen terme, c'est vraiment ce niveau qu'il ne faudra pas
casser pour risquer de briser ici cette dynamique haussière qui est toujours en cours sur la vue moyen terme et donc sur cette unité de temps hebdomadaire. Alors si nous revenons en vue daily, en vue journalière et que on synthétise ici sur toute la dynamique que nous avons actuellement. Si nous traçons les retracements de Fibonacci, eh bien nous avons ici une configuration qui nous donne par rapport au point haut et au point bas, ici un objectif de retour possible sur la zone de retracement à 23,6% de Fibonacci, ici sur la zone des 5139 points. Donc c'est une zone arrondie bien entendu. Donc ici d'un point de vue court terme, on pourrait revenir sur cette zone sans pour autant remettre en cause l'intégralité de la dynamique. Cela impliquerait tout de même une cassure de la zone des 5175 points et une cassure ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, la dynamique serait tout de même fragilisée. Par contre, sur rupture ici de cette zone, l'objectif serait un retour possible ici sur la zone des 5027 points, donc sous la zone des 5052. Là, par contre, on aurait certainement un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure et le mouvement aurait quand même d'autres conséquences, même si nous avons ici un retracement sur les 38,2%. Maintenant, si on étudie seulement le contact ici sur la zone très court terme, voilà ce que nous avons du point de vue du retracement à 23,6% de Fibonacci, on est sur la bougie actuelle. Donc on peut considérer que nous sommes déjà dans une phase de retracement du point de vue de la tendance très court terme. On peut voir d'ailleurs que cette bougie ici colle bien à cette zone. Par contre, en cas de franchissement avéré, nous avons ici une zone de retracement à 38,2% qui se situe à 5177. Par rapport à la zone des 5175 que nous avons là, qui est une zone horizontale clairement identifiée, par rapport à la moyenne mobile 20 exponentielle, nous pouvons constater donc que par rapport à cette dynamique très court terme, eh bien, la rupture ici de cette zone des 5231 eh bien, pourrait valider un retour ici sur la zone des 5175 points, ce qui colle avec la configuration actuelle si on ne prend en compte que les zones horizontales. Par contre, au-delà ici de cette zone, c'est comme vous le savez la zone 50-61-8 qui serait visée, avec donc des niveaux qui se situent entre 5134 et 5090 points, où trône ici cette zone des 5102 points, dont on sait que c'est aussi une zone assez significative. Donc pour lundi, ce qu'il va falloir surveiller, c'est vraiment la zone ici des 5232 points. 5232 points, éventuellement la zone des 5248, puisque sur un refranchissement à la hausse, eh bien on pourrait valider ici une impulsion haussière consolidée sur le 23,6 qui reprend une dynamique ici qui va dans le fond de la tendance. Donc on est toujours raccord ici avec une poursuite du mouvement haussier. Par contre, sur rupture ici de cette zone des 5232, c'est objectif retour ici sur la zone des 5175 comme premier objectif. On serait toujours dans une dynamique haussière, hein, une tendance qui consolide sur son 38,2, reste une dynamique qui est relativement forte. Ce qui est intéressant de constater, et là on va revenir en unité de temps 4 heures, c'est que par rapport à la configuration actuelle, et si on prend l'intégralité ici de cette dynamique, on est revenu tester ici le support oblique qui nous est donné par les deux contacts des zones de points bas que nous avons sur l'intégralité ici de cette dynamique. Et le fait que l'on soit venu ici tester cette zone, mais que pour l'instant celle-ci ne soit pas franchie, on a même eu ici un contact qui a donné lieu à un rebond technique, va dans le sens d'une possible phase ici de retour sur le 23,6 et stabilisation. On peut voir d'ailleurs que le retracement à 23,6% de Fibonacci a été à travailler toute la journée. On est venu ici avec cette bougie ici tester ce niveau. On est revenu une deuxième fois, on l'a testé, on l'a enfoncé, on est venu chercher ici la zone oblique et ensuite on s'est stabilisé au-dessus de ce niveau. Donc c'est dire si celui-ci est significatif actuellement. Et on voit que la première bougie s'est faite entre ce retracement ici des 5231 et la zone ici des 5248. Donc on est vraiment enfermé, on a quasiment passé toute cette zone enfermée ici entre ces deux niveaux horizontaux, et c'est vraiment entre ces deux niveaux que cela va se jouer. Regardez, la semaine prochaine, on aura ici le support qui sera légèrement remonté et qui nous donnera ici une zone d'évolution très restreinte. Et donc, il va falloir être vigilant quant à une potentielle sortie, donc soit à la hausse qui remettrait le CAC 40 dans le sens de la poursuite du mouvement et donc de la tendance de fond, soit la rupture ici de ce support qui validerait une possible consolidation en direction ici des 5177 points, retracement à 38,2% de Fibonacci et de cette zone ici horizontale des 5175, prochaine zone horizontale en cas de poursuite du mouvement baissier.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors, du point de vue des statistiques, c'est assez partagé sur la configuration actuelle. En fonction de, en tout cas pour la prochaine journée, c'est plutôt haussier, mais avec une conviction très très faible, donc on peut dire que c'est quasiment à égalité, hein, les probabilités haussières ou baissières. Et c'est très incertain pour les jours suivants aussi, hein. On a un petit peu de probabilité haussière, un peu plus de probabilité baissière. Je dirais que dans l'ensemble, c'est plutôt vers une baisse, mais là aussi la conviction n'est pas très marquée. On est plus ici sur une impression qui nous est donnée par la configuration chartiste que par de réelles statistiques, hein, qui nous donnent des convictions parfois marquées, hein. Là, c'est surtout ici cette configuration avec gap haussier ici, suivi d'un gap baissier sur cette même zone et qui plus est une zone majeure qui nous donne ici un pré-signal de retournement, mais qu'il faudra valider, hein. Ne serait-ce que par cette configuration technique, il faudrait venir ici sous cette zone intermédiaire des 5202 points. Voilà donc pour ce point de fin de semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.